C'est devenu pour certains le symbole de l'anglicisation de Montréal. Avec ses 8000 étudiants, le Collège Dawson est à l'étroit et cherche à prendre de l'expansion. Le gouvernement Legault a inclus ce projet d'agrandissement dans son projet de loi 66. Un mauvais signal, selon des dizaines d'enseignants du réseau francophone, qui trouvent le message du gouvernement ambigu, voire même contradictoire. Voici ce qu'a obtenu Hugo Lavallée. Yannick Lacroix enseigne la philosophie dans le réseau collégial francophone depuis une quinzaine d'années et il est de plus en plus inquiet. Donc, les meilleurs étudiants sont en quelque sorte siphonnés vers le réseau anglophone. Et dans le réseau francophone, ben, c'est comme un peu les restes. À l'échelle du Québec, les anglophones constituent maintenant une minorité au sein des cégeps de langue anglaise, avec 35 % des effectifs, contre 25 % pour les francophones et 40 % pour les allophones. Croulant sous les demandes d'admission, les collèges anglophones ont l'embarras du choix. Puisqu'on sélectionne les meilleurs étudiants, on peut offrir des programmes plus diversifiés, donc de telle sorte que cette logique qui est en train de se mettre en place rend très difficile pour les collèges français de concurrencer les cégeps anglais sur leur terrain. Il a écrit une lettre ouverte. La décision du gouvernement Legault d'accélérer l'agrandissement du Collège Dawson envoie, selon lui, un très mauvais message sur le statut du français. Professeur de littérature dans le réseau francophone, Nicolas Bourdon, que nous avons joint à distance, a aussi signé le texte. Dawson s'agrandit, ça va être encore plus difficile pour les cégeps francophones. Puis là, on dit dans notre lettre, bien, là, le réflexe des cégeps francophones, c'est de s'angliciser. Et non de dire, regardez, on est fiers de ce qu'on fait. Le mouvement Québec-Français n'est pas du tout surpris de voir l'attrait pour l'enseignement en français diminuer. Le recul du français, évidemment, s'accompagne d'un effritement du statut du français, donc d'un effritement de son prestige et de son utilité. Le directeur général du Collège Dawson assure ne pas avoir demandé au gouvernement d'accélérer l'agrandissement de son établissement, mais ses étudiants ont besoin d'espace, dit-il. Il déplore qu'il soit montré du doigt pour l'anglicisation de Montréal. Le fait qu'on s'en serve comme symbole d'une supposée anglicisation de Montréal, moi, je trouve que c'est couper un peu court à la réflexion. On focalise beaucoup trop sur le Code Dawson. La Fédération des cégeps lui donne raison et pense que le problème dépasse largement la question des collèges. S'il y a problème, donc, d'anglicisation à Montréal, il faut admettre que ce n'est pas le problème du cégep Dawson. En fait, le problème, il existe à bien d'autres niveaux. Quand on parle des enjeux linguistiques, parlons de la langue au travail, parlons de la langue dans l'administration. Quand on regarde les chiffres et quand on compare ce cégep par rapport à d'autres cégeps, effectivement, il y a des déficits qui méritent d'être comblés. À l'Assemblée nationale, le Parti libéral appuie le projet d'agrandissement du Collège Dawson, mais les deux autres formations politiques s'y opposent. Ça nous inquiète. On pense qu'il faut penser en tout premier lieu aux cégeps des régions qui ont énormément de besoins financiers et aux cégeps francophones de manière générale. Ils disent constamment qu'ils aiment la langue française puis ils s'en viennent avec un plan costaud. Il n'y a jamais de plan costaud. Puis concrètement, leur geste, c'est d'angliciser Montréal. Le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur se dit sensible à la dynamique linguistique dans les cégeps. Le Collège Dawson a été inclus sur la liste des projets à accélérer qu'en raison de problèmes d'urbanisme précis. Et les établissements francophones auront leur part. Près d'un demi-milliard de dollars leur seront consacrés dans la grande région de Montréal au cours des prochaines années. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec.